Ah bon? C'est une personne spéciale, je crois. Oh ouais, je crois que tu peux dire Ok, ça. je vais voir ces photos. Non, 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 ça reste une surprise. Une surprise. Surprise. Tu sais Ouais. que j'aime des surprises. Ok, sois patient, tu verras, elle va arriver Je suis dans quelques impatiente de minutes. la voir. Oui, bien sûr, elle arrive très bientôt. Qui est vraiment ce pauvre fou? Monsieur, es-tu malade? Es-tu aveugle? Tu ne vois pas? As-tu perdu la Mais tête? comment est-ce que tu conduis, pauvre fou? Tu vois un peu ce que tu as créé? Tu étais supposé regarder avant de traverser un carrefour. Es-tu stupide? Tu ne vois pas bien? C'est moi que tu traites de stupide après m'avoir cogné. Allez, sors de cette voiture! Sors! Sors vite! Mais sérieux? Ai-je l'air stupide? Tu Tu as m'as bien perdu la tête ou regardé? Je quoi? te montrerai ce que les Mais c'est toi. stupides font! Insensé! Ah! Es-tu malade? Idiot! Insensé! Ça t'apprendra, pauvre idiot, à bien regarder avant de traverser un carrefour. N'importe quoi. J'arrive. Oh mon Dieu! Salut. Comment vas-tu? Tu as l'air offensé. Je le suis. Que s'est-il passé? Un vieillard fou a failli cogner ma voiture. Te dérange pas pour ça, je lui ai donné une bonne leçon. Oh, c'est d'accord, chérie. Ma maman et ma soeur t'attendent à l'intérieur. C'est vrai? Ouais! Regardez-moi celle-là. Oh! Chief, ceci est profond. Ça ira. Nous devons effectuer un test dans le scanner pour savoir combien c'est grave. Oh. Cela veut dire que je dois encore rentrer ici le soir. Ça ne va pas traîner, monsieur. Je sais. Docteur Ike, je dois partir. Mon fils sera inquiet. Il doit recevoir sa fiancée à la maison. Ça sera la première fois qu'elle vient nous voir. Alors je dois être là pour qu'il soit heureux. Vois-tu, c'est la première fois que je vois ce jeune homme sérieux en ce qui concerne le mariage. Alors je dois partir. Ok, si vous le dites, monsieur. Mais s'il vous plaît, monsieur, n'oubliez pas de rentrer ici le soir. Oh, je vais revenir. D'accord, monsieur. Je suis impatient de voir cette fille, maman. C'est la fiancée de mon père. Je veux la voir. Je crois qu'ils vont être là bientôt. Ok, la voici. Salut. Salut. Bienvenue. Ok, Bonjour, maman. là c'est ma mère, je vois que tu connais déjà, et là c'est ma soeur. Pourquoi ne m'avais pas dit que c'était elle? Et comme je te l'avais dit, je voulais te faire une surprise. C'est une bonne surprise. Vous vous connaissez? Oui, maman, on s'est connus il y a longtemps, hein? Oh. Oui. Bienvenue. Merci. Prends place. Ok, tu es très belle. Merci, pour toi aussi. Où est papa? Ah, bien, papa est allé chercher quelque chose pour ta princesse ici. Mais, es-tu... Il n'était pas obligé de se déranger. Ça, c'est ton avis. Papa ne blague pas avec des visiteurs. Ah, Oh ouais. je me sens honorée. Je pense que c'est lui. Je reviens. Oh.
bienvenue. Tu sais, chérie, tu as des magnifiques yeux. Papa. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un accident normal. Un accident normal? Quand et où? Ce n'est pas assez grave. Ce n'est pas grave? Mais comment c'est arrivé? Papa. Papa, réponds-moi. Oh. Chérie. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa? Qui est-ce? Oh, c'est ma fiancée, papa. La fille dont je t'avais parlé. Après 30 secondes, si je descends et te vois toujours là, tu n'aimeras pas ce que je te ferai. Chérie? Papa? Hein? Papa? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa? Papa? Papa! Bébé, je crois que je dois partir. Oui, sur pourquoi? Le champ, oui. Assieds-toi d'abord, je vais régler ça. C'est très étrange, mon père n'a jamais été comme ça. Je crois que... Tu Laisse sais, chérie, partir, je trouve bébé. Ça je très bizarre. Plus tard. Oh chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu te connais avec la fille? Cette fille est une bête. Si hein? Eric souhaite l'épouser, ça ne marchera pas. Elle m'a fait ça. Hein? Elle a fait quoi? Comment? Elle m'a brisé la tête. C'est elle qui t'a fait ça? Je crois qu'elle est malade. Elle doit être folle. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, comment est-ce que c'est arrivé, hein? C'est cette fille qui m'a fait ça. Quoi? Elle t'a fait ça? Tu ne dis plus rien, chérie. Que veux-tu que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise au juste? Si ton père n'est même pas, alors que veux-tu que je fasse? Mets-toi à ma place, je t'en prie, et pardonne-moi ces sottises. Désolée, c'était un accident. Je ne savais pas que la personne que j'avais agressée était ton mari. Tu as tabassé un homme qui a l'âge de ton père et tu restes assis sur mon fauteuil en train de me regarder pour me dire que c'est un accident. Wow. Tu as battu papa? Oh Seigneur, mais il avait presque cogné ma voiture. Sais-tu combien coûte cette voiture? Fils, tu peux déjà comprendre le genre de femme que tu m'as amenée ici. Tu sais quoi? Je m'en vais. Idiot! Madame, apaisez-vous! Stupide!
Je ne comprends vraiment pas tout ce drame, maman. Hein? Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu es vraiment un idiot. Tu n'es même pas en mesure de questionner la fille qui a battu ton père. Oh, maman, arrête avec tes conclusions. Je ne fais qu'essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Ton père a-t-il déjà été un semeur de troupes? Quel âge est-ce, Zoku? Quand? Oh, allez, calme-toi. Attends que je demande d'abord à papa. Parce que je ne crois vraiment pas qu'elle avait souhaité. Oh, prie. Juste prie pour que ce qui s'est passé dans le temps ne revienne plus. Tu sais ce qui était arrivé quand ton père a passé son opération à la tête? Si la même histoire se répète, je t'assure que tu ne vas pas aimer ce que ta mère va faire. Ce portail idiot. Eric, je suis vraiment déçu. Totalement déçu. Ce qui se passe aujourd'hui est inconcevable. Et maman a dit que tu cherches à prendre la part de ta fiancée. Ce n'est pas normal. Et tu penses que tu pourras bien faire ce que tu désires dans cette maison? Ah! Permets-moi de réparer ce dégât. Par moi-même. Je ne suis pas stupide. J'espère que tu ne l'es pas. Oh. C'est pas normal ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu venu me frapper? Ce que tu as fait n'était pas du tout bien. Pourquoi, nom de Dieu, as-tu fait ça, mon père? Arrête-moi ça, s'il te plaît. Comment j'étais censé savoir qu'il était ton père? Il avait presque cogné ma voiture. C'est exactement la merde que tu as raconté devant ma mère. Cette voiture vaut plus que la vie de mon père. Je ne me rappelle pas du tout d'avoir tué ton père. L'ai-je fait? Ce que j'avais fait s'appelle self-défense. Self-défense. Pourquoi ne te gênes-tu même pas de crier ainsi? Tu prends l'amour que j'ai pour toi comme garantie, c'est ça, non? Alors si tu n'es pas satisfait de ce que je te donne, prends la porte. Prends la porte! Oh, vraiment? Tu en es vraiment sûr, Sharon? Si tu veux savoir, mon père a un sérieux problème chirurgical avec sa tête. Et si... Et si quoi? Et si quoi? Tu sais quoi? Je suis fatiguée de cette discussion. Sors de chez moi. Prends la porte. Sortez chez moi. J'ai besoin d'une pause. Nous devons faire une pause. Va-t'en. Sors de chez moi. Es-tu sourd? Sors de chez moi tout de suite! Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Pouvez-vous imaginer? Foutaise. Oui, qui est-ce?
J'arrive. J'arrive. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Tu ne crois pas qu'il est grand temps d'arrêter? Arrêter quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je croyais que tu avais choisi ton père à ma place. Alors qu'est-ce que tu es venu foutre chez moi? Baby, excuse-moi pour mes actions. Si c'est toi que je choisissais, ferais-tu de même? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Je ne comprends pas. C'est tout ce que tu trouves à me dire, moi, ta meuf, après m'avoir crié dessus? Tu as vraiment merdé. Chérie, je... Non, ne me touche pas, non. Essaye juste de me comprendre, chérie. Hein? Oh. Aïe. Oh. Ah, ma tête. Ah, ma tête! J'ai mal! Chérie, tu es en train de saigner? Ma tête est en feu! J'ai mal! Chérie, calme-toi! Ne t'agite pas! Ok? S'il te plaît, appelle le docteur! Appelle le docteur, s'il te plaît! Attends, moi, j'arrive! Oh. Je prends mon téléphone! J'arrive! Ouf! Oh, ma tête. Chérie, calme-toi, arrête de pleurer. S'il te plaît, appelle et dépêche-toi. T'inquiète pas. Je me sens mal. Son numéro ne passe pas. Attends, je apporte-moi de l'eau. Ok. De l'eau. De l'eau. Hey. Rosie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rosie, où est ton frère? Je ne sais pas où il est parti. Pourquoi? On doit amener ton père à l'hôpital. Il est en train de saigner gravement. Oh mon Dieu! S'il te plaît, viens. Viens, on doit l'amener à l'hôpital. Dépêche-toi. Papa! Donnez-moi de l'eau! Papa! Il est en train de saigner! Amène-lui de l'eau. De l'eau. De l'eau. Il saigne! Oui. De l'eau, s'il vous plaît. Dépêche-toi. Amène de l'eau. Elle vient avec ça.
Eric, réponds au téléphone. Vas-y, réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Eric, réponds. Ah, Eric. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne réponds pas au téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de venir. Dépêche-toi, mettre de l'eau. Non, chérie, non, papa. Tu ne peux pas faire ça. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, réveille-toi. Papa? Il n'est plus un mot. Chérie, papa. Chérie. Est-ce que son cœur continue de battre? Son cœur ne bat plus. Chérie, son cœur ne bat plus. Hein? Chérie, son cœur ne bat plus. Tu ne peux pas faire ça quand même, non? Papa, chérie, tu ne peux pas nous faire ça. Papa, tu ne peux pas nous faire ça. Papa! Papa! Ne nous fais pas ça, papa! Oh, papa, ne nous fais pas ça, s'il te plaît, je t'en prie, réveille-toi! Papa, réveille-toi, je t'en supplie! Tu es réveillé? Mais il fait nuit, non? Hein? Mon sommeil pouvait être agréable si ton téléphone ne s'était pas mis à sonner toute la nuit. Je suis désolé. Si ça peut te rassurer. Hein? Ah, merde. Laisse-moi juste rapidement faire un petit déjeuner pour toi. Tu n'as pas besoin. C'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux alors? J'ai besoin du pognon. J'ai vraiment besoin d'argent pour rénover mon bureau. Donc, combien est-ce que tu veux? 1 million d'Enera. 1 million? Tu veux utiliser 1 million juste pour renouveler un bureau? Dis-moi juste si je l'aurai ou pas. J'aurai cet argent ou pas? Quand en as-tu besoin? Aujourd'hui, maintenant. Ok, si cela te rendra heureux, je le ferai. Fait. Ah.
Merci beaucoup. Je l'ai vu. Quoi? Rien du tout, je voulais juste voir que tu étais heureuse. Bien sûr que je suis heureuse. L'argent rend n'importe quelle femme heureuse. Drôle. Et tu ne souris même pas. Tu ne souris toujours pas, chérie. Allez. Allez, viens là. Désolé, ok? Où est Eric? Je ne sais pas. Je l'ai appelé toute la nuit dernière, mais il ne répondait pas à mes appels. Quoi? Je ne sais pas. Pourquoi il ne prend pas tes appels? Ça va, arrête de pleurer, laisse-moi l'appeler. Ok, s'il te plaît. Oh Seigneur, ça recommence. Tu ne peux pas l'éteindre. Désolé. Arrête, ton téléphone ne fait que sonner. Le tonnerre va vraiment foudroyer cette personne. Oh, c'est Stan, mon ami. Stan, ça fait vraiment longtemps. Allô? Quoi? Oh, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne comprends vraiment pas. Là, il y a mon ami qui m'appelle, qui me dit que si je ne rentre pas maintenant, il y aura quelque chose de terrible. Je suis confuse. Ne me dis pas que tu vas me laisser comme ça. Oh merde, bébé, je dois vraiment partir, c'est un sérieux problème là. Que se passe-t-il? Ça avait l'air urgent au téléphone. Où étais-tu? C'est quoi le problème? Va à l'intérieur voir ton père. Hey! Où étais-tu pendant tout ce temps, Eric? Papa? Papa?
Eric, où étais-tu? Eric, tu n'as toujours pas répondu à ma question. Pourquoi n'étais-tu pas rentré à la maison lorsqu'on t'avait dit que ton père est en train de mourir? Cette fille a tué mon mari. De quelle fille parles-tu? C'est la fille qu'Eric a amenée à la maison. Soi-disant que c'est sa fiancée. Elle a blessé mon mari à la tête avec ses chaussures. Quoi? Eric! Eric n'a rien fait. Comment est-ce possible? Hein? Je te demande, est-ce vrai ce que ta mère est en train de dire? Est-ce vrai? Dis-moi! Elle n'a rien fait à propos. Je suis certaine qu'elle était avec la fille quand son père avait besoin de lui. Cette fille a tué mon mari. Hé! Qui est cette fille? Et où est-elle? Écoute, peu importe ce que cette fille-là est, nous devons aller où elle se trouve pour la faire arrêter pour avoir tué mon frère. Hey! Mais c'est quoi cette bêtise? Hey! Hey! Hein? Hein? Eric, je te parle et tu sors? C'est ça ce que tu as fait? Écoute, laisse-moi te dire qu'on doit faire arrêter cette fille. Si elle n'est pas arrêtée, c'est toi qui seras arrêté. Chief, monsieur, oublions d'abord le fait d'arrêter qui que ce soit. Pensons d'abord à comment emmener les corps à la morgue. Tais-toi! Quelqu'un a tué mon frère. Et pas n'importe qui, une fille. Et tu es là en train de me dire qu'on doit d'abord trouver un moyen pour amener son corps à la morgue. As-tu perdu la tête? J'essaie de dire que nous devons amener le corps à la morgue avant qu'il ne soit tard, c'est ça donc? Jeune homme, arrête de me provoquer. Son corps ne bougera pas d'ici. On ne le fera pas avant que la police vienne le voir. Eric, dis-moi la vérité. Qui est cette fille? Qui est-elle? Sharon. Elle a dit que ce n'était qu'une erreur. Eric, c'est un cas terrible. Mais mon gars, comment je fais maintenant, hein? J'ai perdu mon père. Comment? Pourquoi me poses-tu une question si stupide? Pourquoi? Écoute, Eric, tu dois faire en sorte que cette fille sache la gravité de son crime. Je me sens mal avec tout ce qui arrive actuellement. C'est mon père dont nous parlons en ce moment. Je ne sais même pas comment expliquer ça. S'il vous plaît, laissez-moi essayer de le résoudre. Comment comptes-tu le résoudre? Tu veux réveiller mon frère, c'est ça? Non, dis-moi, comment comptes-tu le résoudre? Je vais la faire arrêter. Oh, ne t'inquiète pas. J'avais déjà ordonné aux policiers de l'arrêter et c'est tout. Oh, disais. Oui? Nous devons emmener mon mari à la morgue. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air abattu. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est mort.
C'est hier que son cas s'est aggravé et il est mort. Et comme je te parle actuellement, il y a un problème à la maison. Son frère a porté plainte pour ton arrestation. Pour mon arrestation? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je croyais t'avoir entendu dire qu'il avait déjà des problèmes de santé depuis. Oh merde, Sharon! Si tu ne l'avais pas tapé avec ta chaussure, il ne serait pas mort! Allez, arrête-moi cette bêtise! Arrête-moi cette foutaise! C'est quoi ça? Un homme ne peut pas mourir juste à cause d'une chaussure! Une simple chaussure! Non mais est-ce que tu t'entends vraiment parler? Tu n'as sérieusement aucun remords en toi! Vraiment! Tu as tué mon père pour ton égoïsme ainsi que ton attitude stupide! Et reviens ici, qu'est-ce que tu essaies de faire? Étais-tu en train d'essayer de me tourner le dos? C'est ça que tu essaies de faire, me tourner le dos, Sharon! Es-tu folle? Es-tu folle? Comment oses-tu? Sortez chez moi. Sortez de ma maison. Tout de suite! Tu m'as entendu? Tu me demandes de sortir de chez toi. Sortez chez moi tout de suite. Sortez chez moi! Va-t'en! Quitte ma maison tout de suite. Va-t'en. Tu me demandes de partir de chez toi. Sache que je n'aurai pas de pitié pour toi. Je te ferai arrêter pour ce que tu as fait. Sache-le. J'irai dire à la police. Comment tu avais tué ta secrétaire? Oh, vraiment, Sharon. Tu veux utiliser ça contre moi. Je comprends maintenant pourquoi tu agis ainsi. Tu sais que ce n'était pas entièrement de ma faute, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Sharon? Tu sais que ce n'était vraiment pas de ma faute? Ça m'est égal. Ça m'est complètement égal. Allez, sors de ma maison. Tout de suite. Va-t'en. Quitte vite ma maison. Ah! Ah! Donc Sharon compte vraiment utiliser ça contre moi. Pas de problème. Que dois-je faire? Allô, bébé. Allô? Bébé, je t'en prie, j'ai vraiment besoin de toi chez moi.
Je t'en prie, tu peux venir tout de suite. Je t'en prie, pitié. Je vais devenir folle. Je ne vais pas faire quelque chose que je vais regretter. Alors, pitié, viens à la maison. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Ok, je t'attends. Fais vite. Merci. Merci. Pourquoi tu refuses? Quoi? C'est arrivé comment? Ma chère, je ne sais comment te le dire. Il avait presque connu ma nouvelle voiture. Peux-tu imaginer? Ça, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos? Il n'a rien dit. Absolument rien dit. Il est fâché. Et sa famille veut me faire arrêter. Quoi? Tu sais quoi? Tu dois venir chez moi, maintenant. Et de là, on saura quoi faire par la suite. C'est vrai? Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Eric, je dois être très honnête avec toi, étant un bon ami. Tu n'as pas bien géré ce problème comme un homme. Tu aurais dû t'assurer que cette bâtarde de fille soit arrêtée immédiatement. Si tu étais vraiment à ma place, aurais-tu fait pareil? D'abord, je ne serais jamais, jamais à ta place. Car si je l'étais, oh crois-moi, j'aurais fait pire. Car j'irais dans sa maison et la frapperais à mort jusqu'à rendre sa vie misérable. Elle ne peut même pas venir ici et demander pardon pour ce qu'elle a fait. Tu ne comprendras pas. Ce n'est pas comme si je ne savais pas quoi faire. Elle utilise quelque chose de tellement fort pour me faire tomber. Eric, peux-tu t'entendre parler? Non, pourquoi me racontes-tu des bobards? Dis-moi, est-ce la première fois que tu tombes amoureux ou cette fille était l'unique fille dans cette vie? Dis-moi. Oh mon Dieu, je suis vraiment confus là. Tu as juste choisi d'être confus. Car mon conseil, fais en sorte que cette fille idiote soit jugée pour avoir tué ton père. Fais arrêter cette fille. Ou bien laisse-moi m'en charger. Tu peux te taire comme tu veux. Mais si tu ne fais pas arrêter cette fille, si tu ne fais pas l'essentiel, cette maison sera chaude pour toi. Tu ne seras pas en paix dans cette maison, je te le promets. Oh, tu me tournes les dos, ok, pas de problème, mais je t'ai déjà prévenu, tu l'as bien entendu. Tu ne seras pas en paix ici, emmène-moi chez elle ou fais-la arrêter. Donc, lorsque l'offre quitte ses points et atteint un autre point, cela veut dire la demande est en hausse sur le marché.
Ok, mais comment vais-je répondre à la demande du marché? Oh, c'est simple. C'est très très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apporter l'un des produits de la ferme près du marché. Alors tu pourras pénétrer le marché avec succès. Mais tu dois augmenter la barre. Donc tu dois choisir un produit qui se vend beaucoup. Alors, en faisant cela, tu mets d'autres concurrents contre le mur. Intéressant. Intéressant. Donc, amener l'un des produits de la ferme près du marché va aussi nous épargner de plusieurs dépenses de transport, c'est ça? Oh oui, tu as raison. Mais c'est parfait. Parfait, papa. Peut-être que je n'ai pas utilisé les termes appropriés du marketing, mais crois-moi, je connais très bien la loi de l'offre et la demande. Oui, papa, c'est plus comme des points d'équilibre, disons. Oui, c'est ça. Oui. Ok, donc laisse-moi trouver un truc à boire maintenant. Nous allons sortir les après-midi pour aller inspecter la ferme. Aucun problème, papa, je suis prêt. Oh oui. Ok. Je ne pourrais pas les supporter. Je ne saurais pas du tout. Eric, est-elle arrêtée? Pas encore. Pas encore? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, bro, tu es mon ami depuis qu'on est tout petit. Tout ceci me dérange très sincèrement, frère. Je n'ai pas pu dormir pendant la nuit. Eric, pourquoi tu parles comme une poule mouillée? Mets d'abord cette fille aux arrêts. Ok? Mets-la aux arrêts. Si ce n'est rien d'autre que pour prouver d'abord à ta famille, tu ne soutiens pas ses actes. Nous parlons d'une vie humaine ici. La vie de ton propre père. Pourquoi veux-tu me faire croire que tu es débile? Écoute, j'aurais souhaité que tu aies une mère comme la mienne. Je te jure que tu serais déjà entre les mains de la police. Tu saurais pourquoi les gens appellent ma mère Atiko. Tu sais, bro, tu ne comprendras pas. Je ne suis pas sourd, je ne suis pas stupide, je sais ce que je fais, mais cette fille a quelque chose qui pourrait me faire tomber. J'ai mes raisons, bien qu'elles n'aient pas de sens, mais je sais très bien ce que je suis en train de faire, mais la vérité, c'est que mes actions sont vraiment limitées. Parce que je... Ok, disons que je ne vais pas voir cette fille croupir en tôle. Quoi?
un truc dans ce genre. Parce que j'ai vraiment beaucoup investi dans cette relation. Et... Eric, je comprends maintenant qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête. Je sais que cela n'a aucun sens pour toi. Eric, bon sang, pourquoi tu la couvres? Écoute, laisse cette fille faire face à ta famille. Elle doit s'excuser. Elle doit demander pardon pour son crime. Je ne vais plus te conseiller, je ne t'avertirai plus et je ne compte tout de même pas rester à tes côtés comme ton ami. Prends le contrôle de cette situation avant qu'il ne soit tard. N'importe quoi. Maman, Rosie, calmez-vous, je voulais m'excuser pour de nous avoir entraînés là-dedans. Si je ne l'avais pas invité, tout ceci ne serait jamais arrivé. Je vous prie. Je nous prie à nous tous d'oublier tout ceci. Nous avons besoin de la paix ainsi que de l'amour pour faire avancer cette famille. Nous ne pouvons y arriver si nous continuons à nous battre. Je vous prie. Je vous prie, maman. Pourquoi tu nous as appelés ici pour nous présenter tes excuses? As-tu oublié que papa était sorti pour acheter le cadeau pour cette Jézabel? C'est alors qu'elle avait attaqué? Et tu t'es mis là pour nous parler de la paix? Elle ne sera plus jamais en paix. Jamais. Oui, Rosie, tu as raison. Papa était allé lui trouver un cadeau juste avant que l'accident se produise. D'où, pardonner ou ne pas pardonner ne pourra jamais ramener ça. Le mal a été fait. Et j'aimerais vous dire qu'elle s'est excusée pour le mal qu'elle a fait. Et je crois qu'elle viendra pour le faire elle-même. Je vous prie. Essayez juste de vous calmer. Oh, ne me raconte pas ça! Ne me parle pas de ces bêtises! Écoute-moi, Eric, si tu étais encore enfant, j'allais te donner une gifle pour des bêtises que tu viens de dire maintenant là même! Regarde-toi! Ta petite amie a tué notre père! Ton père! Et tu es assis là, comme une femme enceinte! Nous parlons de la paix! Nous parlons du pardon! Écoute, Eric, si tu ne nous montres pas cette fille, je veux te faire arrêter. Je sais très bien de quoi je parle maintenant. Maman, tu as entendu ça? Fils, je crois que si tu m'as appelé ici, c'était pour dire quelque chose. J'ai cru que tu es venu nous dire que tu as mis la fille en état d'arrestation pour que nous allions la voir en prison. Donc tu m'as appelé pour ne rien dire. Maman, c'était un accident. Oh, s'il te plaît! Arrête de parler comme un enfant. Rose, tu réalises que tu parles à ton grand frère? Oh, grand frère, mon œil! Grand frère, mon œil! Tu dois arrêter d'agir ainsi. Apparemment, tu as le temps pour moi, chère sœur. Oui, j'ai le temps pour toi. Je n'en ai pas pour toi, malheureusement. J'ai le temps pour toi. J'ai le temps pour toi. Ne me tourne pas le dos. Reviens ici. Reviens, Eric. Eric, reviens ici. Ne me tourne pas le dos. Eric, reviens ici. Eric, je te parle. Tu sais quoi? Tu n'es rien d'autre qu'un vaurien. Tu es stupide. Tu n'as pas de sens. En fait, tu n'es même pas un homme.
Eric, tu n'es pas un homme. Va arrêter cette fille. Va la faire arrêter, Eric. C'est presque comme si tu venais ici pour un combat, très chère sœur. Mais je te promets, je ne t'en donnerai pas, malheureusement. Moi, je suis prête de t'en donner. Écoute, Eric, cette maison ne va pas nous condamner si tu ne peux pas arrêter cette fille, Eric. Tu es une femme. T'es pas un homme, Eric. Cette chose qui est entre tes jambes ne sert à rien. À rien du tout. Fais arrêter cette fille. Assez plaisanté. Fais arrêter cette fille, Eric. Assez plaisanté. Je suis ton grand frère, n'est-ce pas? Allez, tais-toi maintenant. Grand frère, Eric, va la faire arrêter. Ah, merde. Oh. Ouh. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est à moi de te poser cette question, Eric. Qu'est-ce que tu fais exactement ici? Tu devais être dehors pour faire arrêter cette meurtrière. Je sens que tu cherches des problèmes, c'est ça? Mais je ne t'en donnerai pas, désolé. Fais-la arrêter, Eric. Eric! Non, mais sérieusement, c'est quoi cette merde? Rosie! Rosie, ouvre cette porte! Voyons voir comment tu sortiras de là, n'importe quoi. Rosie! Rosie, si je sors d'ici, tu vas le regretter, je te dis! Rosie! Rosie! Tu veux me tenter, c'est ça? Rosie, tu veux me tenter? Rosie! 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 Rosie, tu blagues avec moi! Ouvre! Rosie, ouvre cette porte tout de suite! Ouvre! Oh. Salut, maman. C'est quoi tous ces bruits que j'entends? Quel bruit? C'est peut-être la machine à laver. Je suis dehors, maman. La machine à laver? Jamais. Notre frère Patrick a traversé la vallée de la mort, mais a survécu. Et à la fin, une tout petite fille l'a tué. Et son fils n'a rien fait du tout. Hey! Ozo! Aro! Dis-moi, ne trouves-tu pas que c'est plus grave que ce qu'on pense? Écoute, mon cher, il y a quelque chose. Hey! Écoute, laisse-moi te dire. Nous devons convoquer Eric. Il doit aller faire arrêter cette fille. Sinon, on doit le faire à notre manière. Aimer à casser Meya. On doit le faire. Yafnani. Ozo. C'est exactement ce qu'on va faire. Exactement. La faire arrêter ou nous le ferons à notre manière. Rosie, tu as enfermé ton frère dans la chambre? Dans la douche. Mais ça fait déjà beaucoup de temps qu'il est resté enfermé là-bas. Maman, il va rester là-bas jusqu'à ce qu'il va réfléchir comme un homme. Allez, monte là en haut, va l'ouvrir la porte maintenant. Je ne veux pas faire ça, maman. Je ne fais pas. Il doit faire arrêter cette idiote qui a tué notre père. Est-ce que tu comprends qu'il n'y a pas assez d'air dans cette pièce, hein? Il peut s'étouffer, mourir. C'est ça! Quoi? Oui! C'est mieux qu'il rencontre notre père. Comme ça, notre père va lui apprendre une très bonne leçon de sa vie. Au monde des morts. Rosie. Oh, n'importe quoi. Rosie. Où vas-tu? Rosie, où vas-tu?
joy until the devil come and call him agent to come up. Now everything done double, everything done scatter. Now brothers fighting sister, tell me what are we gonna do, yeah. Oh, nous sommes arrivés. Oh. Mais c'est ouvre qui comme ce portail. Ouvre. Tu viens briser le portail des... Où est de ta madame? Madame. Où est... Madame. Officier. Officier. C'est elle. Arrêtez-la. Madame, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Inspecteur Kolawale. Qu'est-ce qui se passe? Salut, monsieur. Easy. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bien, tu vas le savoir, peu importe qui tu es. Cette chose a tué mon père. Officier, pourquoi perdez-vous le temps? Arrêtez-la! Attendez, jeune femme. Elle a tué votre père. Oui. Et alors? Hein? Allez, arrêtez-la et conduisez-la au commissariat. Comment ça? Oh, oh, oh! Attendez, attendez! Peu importe qui tu es. As-tu un problème avec ta tête? Tu raisonnes dans ton gros ventre? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Que cette idiote, cette chose a tué mon père! Officier, arrêtez-la! Es-tu en train c'est de. C'est à toi que je parle! Dis-moi qui es-tu! Elle a tué mon père! Monsieur! Veux-tu être viré? Non, monsieur! Arrête-la, immédiatement! Madame! Amenez-la au commissariat! Vous venez avec nous, ok? Non, 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 ne vous inquiétez pas! Comme vous madame, n'arrivez pas madame, à le faire, moi je vais le faire à votre place! Attendez, je vais le faire! Madame, ne faites pas ça! Ne faites pas ça, madame! Ne faites pas ça! Allons-y, allons-y! Madame, que voulez-vous dire par là? Madame, venez avec nous maintenant, ok? Ok, laissez-moi faire de ma manière. Madame, laissez-moi le faire de ma façon. Laissez-moi le faire de ma façon. Inspecteur Kolawale, monsieur, conduis cette folle. Tout de suite, monsieur. Madame, moi, pas. Madame, on bouge. Toi-même, t'es folle. Et toutes tes générations. Allez, avancez, madame. Allez-y, allez. Regardez-moi ça. Laissez-moi. C'est folle. Faites la sortie. Allons-y. Par ici. Par ici, madame. Laissez-moi, je vais rentrer moi-même. Laissez-moi. Cette fille est vraiment folle. Je ne la connais même pas. Ça, c'est quelle fille comme ça? Ce n'est pas encore fini, hein. Je veux revenir pour toi. Et lorsque je vais retourner, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te transformer de jaune en vert. Madame, attends, tu vas voir. Je veux revenir. Attends-moi. Tu madame, verras très bien. C'est là que je suis. Chez moi. Et lorsque je vais revenir, tu vas me sentir. Attends, tu verras. Tu vas voir maintenant. Regarde-moi ça. Ah ah, Seigneur. Mais c'est quoi ce genre de folle? Ah ah ah. Bébé, je la connais même pas. Je ne la connais pas. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. Hein? Oh. Écoute, je peux tuer la communauté entière pour toi. Pour moi? C'est vrai. Bébé, dis-moi, tu en veux plus? Tu en veux? Je suis au Liban et j'en veux encore. Ok. Bien sûr. Alors, allons-y, on y va. Allons-y. Hey, c'est grave. Rosie! Sérieusement, tu veux me tenter? Tu veux me tenter? Tu m'as enfermé ici, Rosie! Rosie! Rose! Tu comprendras que tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu, Rosie. Et une fois que j'agis, personne ne peut me stopper. Regardez-moi ça. M'enfermer dans les toilettes. Rosie, tu m'as enfermé dans les toilettes.
Rosie! Oh, tu veux que je te supplie, c'est ça? Tu veux que je puisse te supplier? Je veux utiliser ceci pour te fouetter. Je te le promets. Je ne comprends pas. Comment Rosie peut enfermer son frère dans les toilettes et part avec la clé? A-t-il arrêté cette fille? Oh, hein, bien. J'encourage Rosie pour cette action. Qu'il reste là-bas jusqu'à ce qu'il acceptera de se comporter comme un homme. Oh oui. Oh bien, bien. Merci beaucoup. Madame, je peux la casser si vous voulez que je la casse. Stan. J'ai besoin de toi à la maison maintenant même. Si tu ne viens pas, je vais tout casser. This ground is getting ready for a battle. The battle line is drawn. The battle line is drawn. Oh, no retreating, no surrendering. The line is crossed and not forgiving. Yeah. Where is the spirit of forgiveness we profess? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rosie veut me tuer. Elle a enfermé son frère aux toilettes et elle est partie avec la clé. Quoi? Comment ça? Je ne sais pas. Je veux que tu l'appelles. Dis-lui d'amener la clé. On doit ouvrir cette porte. Désolée, maman. Je ne veux pas m'impliquer dans ça. Tu veux que je meure? C'est ce que tu veux? Puisse casser la porte. Non, 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 pas question. Appelle-la. Appelle-la et dis-lui de m'amener la clé. Allez, appelle-la. Porte ton numéro. Tu as vraiment eu ces kilos d'enfermer ton frère aux toilettes et partir avec la clé? Pourquoi tu peux être aussi méchante? Pourquoi? Il y a eu un problème plus sérieux que ça. Elle a été illégalement arrêtée par la police. Elle m'a appelé et je devrais me rendre au commissariat pour faciliter sa libération. Allez, donne-moi la clé maintenant. Je ne sais pas où ça se trouve. Écoute. Je ne veux pas que ça devienne une affaire personnelle. Je n'aimerais pas être en colère contre toi. Je suis en colère, maman. Je suis déjà en colère. Ne me dis pas ça. Cette stupide idiote. Cette fille a dit à la police de retourner les dossiers contre moi. Et tu es là pour me dire que tu vas te fâcher. C'est moi qui suis fâchée, maman. Oui, elle était chez Sharon pour la faire arrêter. Une fois là-bas, le commandant a ordonné à ses hommes de l'arrêter. Elle était arrêtée telle qu'elle est là. Quoi?
Oui. Tu veux dire que le commissaire en chef t'a fait arrêter? Ça, c'est quelle bêtise. Rosie, s'il te plaît, donne-moi les clés. Écoutez, je n'ouvrirai pas cette porte jusqu'à ce que cette fille paye pour ce qu'elle a eu à faire. Oui. Rosie, je te promets que je prends la relève de l'affaire. Je vais m'assurer qu'elle soit arrêtée. Mais donne-moi les clés, s'il te plaît. Oh, yeah. We used to be a lovely family. We used to share laughter and joy. Until the devil come and call him agent of karma. Now everything done double. Every